que vous me trouvez belle? Oh my god. Bon, pourquoi j'ai un sac d'épicerie sur la tête? Puis là, j'étais comme, est-ce que je vlog ou je vlog pas? J'étais comme, mais oui, le ridicule ne tue pas. Donc, ouais, pourquoi j'ai un sac d'épicerie sur la tête? Attendez, je vais m'asseoir. C'est que j'ai décidé de faire une folie dans mes cheveux. Donc, je vais vous montrer juste un petit peu. Ah! Ok. Donc là, je stresse parce que je voulais que ça soit vraiment comme pâle. Puis je sais pas qu'est-ce que ça va donner. Je voulais vraiment que ça fasse un cotton candy hair. Mais là, je sais pas qu'est-ce que ça va donner. J'avais plus assez de revitalisant pour baisser le niveau d'intensité de mon rose. Parce que j'avais pas le cotton candy en tant que tel. De Manic Panic, dans le fond. J'utilise Manic Panic. J'avais le... Comment ça s'appelle? Attendez, je vais aller voir. Je pense qu'il s'appelle Hot Hot Pink. Mais je suis pas sûre. C'est ça? Pourquoi c'est jaune? Reviens à la normale. Hello? Est-ce que tu vas rester jaune? Ok. Manic Panic, c'est quelle couleur? C'est ça, c'est Hot Hot Pink. Donc, j'ai mélangé plein de revitalisants avec. Pour que ça donne un look un peu plus comme cotton candy. Puis là, ça donne ça à date. J'ai peur. Ok. Est-ce que je devrais aller le rincer tout de suite? Ok, c'est toujours plus foncé dans les cheveux. Faut pas que je panique. Ça va être beau. Même si c'est un petit peu plus foncé, ça va être beau. Du calme. Ok. Bon. Fait que j'ai décidé de faire ça parce que hier, j'ai comme eu un trip. Je regardais des vidéos puis j'étais comme, ok, j'ai envie d'avoir mes cheveux roses. J'ai envie d'avoir les cheveux roses. Puis je voulais pas foncer, là. Je voulais vraiment pâle. Fait que j'ai hâte de voir ce que ça va donner. Puis c'est ça que j'aime de Manic Panic, c'est que si t'aimes pas ça, ça s'en va super facilement. Donc, j'avais déjà eu l'année passée les cheveux roses, ombrés roses, super foncés. J'avais mis aucun revitalisant. Puis j'avais juste fait ma couleur blonde par-dessus, puis c'était tout parti. Fait que j'avais vraiment pas eu de problème avec ça. Fait que si jamais c'est pas beau, puis j'aime pas ça, j'ai mes teintures, puis tout, sont toutes là. Fait que... No stress, c'est pour ça que je me suis dit let's go, on va l'essayer, si c'est beau, pourquoi pas, puis pour le printemps puis tout, là, puis ça fait longtemps que je veux les cheveux colorés, j'ai jamais été dans des couleurs aussi intenses, puis ça a toujours été moi, mais j'ai toujours pas voulu le faire pour encore des raisons de me faire juger, mais là je suis comme, who cares, c'est mes cheveux, c'est le printemps, c'est ma fête la semaine prochaine, j'ai un photoshoot samedi aussi le 16, donc... Let's go, have fun, puis on verra ce que ça donne. Puis comme je vous dis, si jamais c'est pas beau, j'ai mes teintures, puis je me remettrai en blond. Donc c'est ça pour l'instant, là, je fais vraiment dur, je vais arrêter de vous parler. Puis je vous remonte après, qu'est-ce que ça donne? Oh my god, je suis stressée! Oh my god, donc ça a l'air de ça! Oh my god, je suis pas sûre que j'aime ça. Je me suis comme préparée, j'ai fait mes cheveux, juste voir comme si j'aimais ça. Oui, c'est beau, mais... Je sais pas, c'est pas moi. C'est pas moi. Tu sais, je les voulais vraiment plus pâles que ça. Puis là, ils sont plus foncés. Je sais pas. À date, je sais pas. Je vais attendre un petit peu. Je vais mettre une photo sur Instagram, voir ce que le monde dise. Mais c'est sûr que là, ils ont l'air vraiment plus pâles. Mais vraiment, là, ils sont comme plus foncés. Là, puis je sais pas. Mais... Là, la caméra, j'aime ça, mais c'est ça, en vraie vie, ils sont comme plus foncés, fait que je suis pas sûre. En tout cas, je vais voir. C'est sûr que si je les referais rose, ça serait vraiment plus pâle, vraiment pastel rose, parce que là, c'est plus foncé. Mais en tout cas, donc ça donne ça. Je vais le garder jusqu'à demain. Je vais voir. Je vais le garder jusqu'à mercredi. Puis on verra. On verra. Mais c'est ça. Comme je disais, c'est super facile pour que je redevienne blonde. Donc, ouais. Donc, là, c'est ça. J'ai commencé à vlogger, mais il était super tard. Là, il est comme rendu 4 heures. Je sais pas en tout ce que je vais manger. Donc, on va voir ça. Je vais regarder ce que j'ai dans le frigidaire et tout. Puis, c'est ça. Donc, il n'y a pas vraiment d'émission en soir. C'est plate. Puis j'ai pas fait de vidéo, donc j'ai pas à éditer des vidéos, mais demain j'en fais. Donc je vais aller faire avec ces cheveux-là. Vous allez me voir avec ces cheveux-là. Oh my god.
Donc, c'est ça. Donc, on se reparle tantôt. J'ai l'air du clown du carrousel. Genre, je sais pas. Je capote. Je sais pas si j'aime ça. Oh my god. Bon, mes petits chats. Donc, je viens de filmer une routine visage du printemps. Donc, je pensais pas filmer aujourd'hui, mais j'ai filmé. Donc, je vais éditer ça. Puis là, j'ai vraiment pas vlogué. Fait que je pense que je vais vlogger demain aussi pour faire quand même un long vlog. Sinon, c'est plate. Donc, pour l'instant, c'est ça. Je pense que je vais vous reparler demain parce que là, j'ai vraiment rien de prévu à part éditer des vidéos. Donc, on se reparle demain. Bye tout le monde. Hello, hello tout le monde. Bon, oui, je suis revenue blonde. Ah, ok, catastrophe, catastrophe. Donc, ce qui est arrivé, c'est que j'ai voulu rendre mon rose plus pâle. Donc, je l'ai lavé. Et ça a juste fait que j'avais des spots roses, orange, blond. C'était affreux, affreux. Puis, j'ai pas d'argent avant jeudi pour aller chercher les colorations nécessaires. Donc, je me suis juste remis blond. Puis, on verra à jeudi si j'ai le goût de retourner Cotton Candy Hair. Mais je vais vraiment prendre les bonnes colorations si je le fais. Mais pour l'instant, c'est ça. Donc, je suis revenue blonde. Il y a beaucoup de gens qui sont comme déçus. Mes amis, puis tout, me disent « Oh, t'étais tellement belle avec tes cheveux roses. » Je le sais, j'aimais ça aussi, mais ça n'a pas duré une journée. Donc, ouais, c'est ça, mon côté bipolaire pour mes cheveux. J'ai toujours envie de faire du changement, mais quand je le fais trop rapidement, puis ça foire. Fait que là, mes cheveux sont redevenus blonds, puis là, sont comme un petit peu plus pâles que d'habitude. Je pense que je vais faire un toner, juste pour les mettre un peu plus argent. Puis je vais les laisser de même jusqu'à ma fête lundi, parce que c'est ma fête lundi, le 18. Fait que ouais, je vais laisser ça comme ça pour l'instant, puis on verra en temps et lieu si j'ai envie de le refaire. Puis j'ai un photo shoot aussi samedi, donc c'est pas le moment d'avoir les cheveux pas beaux. J'ai un photo shoot pour ma chaîne, dans le fond. C'est une de mes amies qui est photographe, donc je lui ai demandé ses services pour avoir des belles photos pour ma chaîne. Donc, j'ai vraiment hâte. On va aller faire ça à Montréal. On va trouver des beaux coins dans le vieux Montréal et tout, là. J'ai vraiment hâte. Donc, c'est ça. Samedi soir, qu'est-ce que j'ai prévu? Bien, sûrement que je vais aller manger avec mon copain pour ma fête. Et dimanche, je sais que je vais manger aussi pour ma fête avec ma meilleure amie Charlie. Donc, j'ai vraiment hâte. Puis lundi, mais j'ai rien de prévu pour ma fête. On va voir en temps et lieu. Je vais peut-être m'acheter une bouteille de vin puis la boire tranquillement avec un bon repas pour mes 20 ans. Oh my god! J'arrive pas à croire que je vais avoir 20 ans. Donc, c'est ça. Donc, on se reparle tantôt. Pour l'instant, il n'y a pas grand-chose. Mon frère est parti avec sa copine chercher du McDo. Oh my god, je suis trop faim. Ils me connaissent trop bien. Du McDo. Donc, c'est ça. Good guys! J'aime d'aller voir ma chaîne. Je suis rendue à 800 abonnés. J'en reviens pas. En moins d'un mois, j'aurais eu 100 nouveaux abonnés. C'est juste fou. C'est malade. Je capote. Je vous remercie tellement, là. Oh mon Dieu! C'est fou! Ah, je vous remercie vraiment. Là, j'enchaîne. Oh my god, je m'excuse. Oh my god, merci, merci. 800 abonnés, c'est malade. Oh my god, je vous remercie, mes petits chats. Je vous aime! Donc, je vais manger. Miam, miam. Donc, moi, dans le fond, là, je vais vous dire qu'est-ce que je prends au McDo. Là, c'est toujours la même affaire. Je prends un Big Mac extra sauce parce que j'aime trop la sauce à Big Mac en trio. Puis je me prends toujours un petit cup de sauce à Big Mac pour tremper mes frites, c'est trop bon. Donc d'habitude je prends aussi un cheeseburger là, parce que je suis vraiment cochonne. Gourmande, on va dire. Mais c'est ça. Donc j'ai pris ça aujourd'hui. Miam miam, je vais manger. Bon, je viens de finir de manger. C'était full bon, là, j'avais trop faim. Oh my god. Puis là, qu'est-ce que j'ai prévu pour ce soir? Ben rien, ok, il n'y a rien à écouter à la télé, c'est plate, je suis tannée, je veux des nouvelles émissions. C'est quoi vous me suggériez? C'est quoi
Voyons, je vais être capable. C'est quoi que vous me suggérez à écouter? Que ce soit sur Netflix, peu importe. Je suis vraiment ouverte à n'importe quoi. J'ai vu beaucoup de choses dans ma vie, donc ça va être dur de trouver, mais allez-y, proposez-moi des trucs que vous avez aimés. Parce que là, je sais plus quoi faire. Ouais. Puis là, je suis plus capable de maison, ok? C'est vraiment rendu le temps qu'il faut que j'efface. Puis là, à chaque fois que je mets ma main dans mes cheveux, ça coince, c'est fatigant. Je suis plus capable. Puis là, ce qui est arrivé, c'est que j'avais pris mon rendez-vous pour mes ongles. Puis la fille que je vais voir, elle est vraiment demandée, là. Elle book super facilement, puis tout, là, super vite aussi. Fait que quand t'as un rendez-vous, c'est dur d'en avoir un autre, surtout dans le temps que je voulais mon rendez-vous pour cette semaine, justement. Donc, j'avais mon rendez-vous de médecin, donc j'ai pas pu y aller. Ça fait que j'ai pas de rendez-vous pour mes ongles. Mais là, j'ai demandé à mes amis, please, donnez-moi une place où qu'ils font les ongles, que c'est bon, à la résine. Parce que moi, j'ai fait à la résine. Puis il y a une place à côté de chez nous, mais la fille est juste là à partir du mercredi. Donc là, on est mardi, je vais l'appeler demain. J'espère qu'elle va avoir une place pour moi avant samedi parce que j'ai un photoshoot samedi, comme je vous ai dit. Là, j'ai pas envie là, d'avoir ces mains-là. Puis il me manque un ongle. Puis ça arrête pas de pogner dans mes cheveux. Je suis juste plus capable. J'ai envie de les arracher. Mais je sais que c'est pas bon, fait que je le fais pas. J'attends. Ah, en espérant que j'ai un rendez-vous demain quand j'appelle. Je vais appeler vraiment tôt là, pour être sûre d'avoir un rendez-vous. Ouais. Si après me prendre même demain, là, ça serait merveilleux. Donc, ouais, c'est ça. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Ouais, je suis vraiment contente d'avoir trouvé mon blond. Je capotais un petit peu là, quand j'ai vu le rose tourner orange et tout. Là, j'étais comme, arc, c'est pas beau. Là. C'est vraiment pas beau. Là, mes cheveux, c'est sûr qu'ils ont l'air jaunes, mais je vais faire mon toner. Ou peut-être un masque avec mon shampoing bleu, je sais pas. Je vais voir. Mais c'est ça. Mais Cotton Candy, là, genre comme ma robe de chambre puis mes ongles, là, on reverra dans une semaine ou deux, là. Comme je dis pour mon photoshoot, je vais rester blonde. Ouais, c'est comme plus facile pour moi en ce moment, là, parce que j'ai vraiment pas les trucs nécessaires pour garder de la couleur dans mes cheveux, vivre comme ça. Non. En tout cas. Fait que ça sera pour un autre tantôt, les cheveux pastel rose. Donc c'est ça. Donc je pense pas que j'ai d'autres choses à vous dire pour aujourd'hui. Alors je vais conclure ce vlog. Donc, ah oui, j'ai mis un vidéo en ligne. Il va être en ligne demain. Donc vous allez le voir mercredi. Puis le vlog aussi va être mis en ligne mercredi. Donc vous allez avoir cette vidéo-là et ce vlog-ci que je suis en train de vous tourner. Donc, on se revoit dans un prochain vlog. Bye tout le monde!